بحيرة هلا دولا بحيرة بالذات شباب بحيرة شباب على الطريق كنت برجع الثاني مشهور عليها في الماء C'est la notion de base en vérité. Enfin, voilà ce que je voulais dire encore une fois. Merci, c'est Kamal de m'avoir donné cette opportunité d'essayer de contribuer. Mon frère et ami Snoussi, qui n'a pas parlé du tout de lui, va peut-être parler un peu plus et peut-être qu'on va essayer donc, de débattre en même temps. Merci, si jamais.
Effectivement, je n'ai pas beaucoup parlé, mais je me suis beaucoup instruit et enrichi depuis hier. Donc c'était très volontaire de ma part. Et je remercie Kamel Jemoué. Il a pris la liberté, sans prévenir, de m'inviter à cette tribune. Et il sait que je n'aurais pas refusé. Il sait que cette question m'intéresse. Alors, elle m'intéresse. Je me présente, Mohamed Sounsi, je suis climatologue. J'enseigne à l'Institut hydrométéorologique de formation et de recherche d'Oran. Je m'intéresse, à vrai dire, à cette question depuis assez longtemps, à la fois pour des raisons professionnelles, parce que c'est mon domaine, mais aussi pour d'autres raisons. Je suis également... J'ai une position un petit peu, je dirais, privilégiée, je l'avoue. Je vis la question du changement climatique dans différents domaines. D'abord, à titre purement professionnel, puisque j'enseigne les sciences du climat donc depuis près d'une trentaine d'années, donc j'ai la chance de connaître un petit peu cette science du climat, qui est tellement complexe, qui nous dépasse tellement. Mais également, je fais partie effectivement depuis 2005 du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, ce qui m'a donné aussi cette chance d'en apprendre un petit peu plus sur la question à l'échelle globale. Je suis également dans une association, donc j'ai un pied dans le mouvement associatif, depuis une vingtaine d'années, dans une association qui s'appelle l'Association de recherche climat-environnement, si bien que j'essaye, c'est assez compliqué, mais autant vous le dire, c'est quelque chose d'important, bien sûr. Ce que j'ai écouté hier m'inspire quelques observations. Et je crois qu'il est de mon devoir de vous faire partager certaines choses. Donc c'est un petit peu un petit exercice de synthèse que je vais essayer de faire avec vous. Je sais que c'est compliqué. Mais quand un problème est complexe et qu'on a envie d'avancer, la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de simplifier certaines choses, de ne pas ajouter de la complexité. Ça ne sert à rien. Donc je ne vais pas vous parler de choses, je ne dis pas qu'elles vous dépassent, pas du tout. Beaucoup, ici dans cette salle, par leur savoir, ont tellement de choses à nous apprendre. La question n'est pas là. Derrière la question du changement climatique, il se cache des questions à plusieurs échelles. Comprendre toutes ces échelles, c'est important. Mais ça ne veut pas dire que chacun de nous doit à tout moment avoir en tête les négociations Kyoto, les gaz à effet de serre. Non, ça c'est... Franchement, la question n'est pas là. Pas attendre un citoyen qui se lève le matin en se disant quel est l'avenir du protocole de Kyoto. Je veux dire, ça n'a pas beaucoup de sens. Et pourtant, n'importe quel citoyen dans le monde est un élément de ce problème. Il est à la fois un acteur et il est une victime de ce problème. Mais on ne peut pas demander aux gens de réfléchir à toutes les échelles à la fois et en même temps de vivre leur vie dans leur ville, dans leur quartier, dans leur pays, dans leur région. Alors comment réunir tous ces problèmes? Il m'arrive de temps en temps de faire un parallèle pour essayer de me faire comprendre, de faire un parallèle sur le plan économique. On sait que sur le plan économique, par exemple, on sait que toutes les économies du monde, celles du citoyen et celles du monde, sont liées d'une façon ou d'une autre. Mais franchement, est-ce qu'on va demander à un épicier dans un quartier, dans son tiroir-caisse, d'essayer d'intégrer qu'aujourd'hui la bourse à Wall Street a un problème ou n'a pas de problème? Pourtant, on sait qu'il va y avoir à un moment donné une relation. Je veux dire qu'il y a un effet qui va se... Mais je ne peux pas attendre, de quelqu'un à une échelle très petite d'intégrer à tout moment des choses qui vraiment le dépassent, même si c'est nécessaire pour comprendre. Donc, la question du climat, franchement, ce sont des échelles différentes, c'est le même problème. C'est le seul problème du monde qui vraiment intègre tout et tout le monde. En disant ça, je ne dis rien de très intelligent, mais c'est pourtant ça. Cette question est à plusieurs échelles,
ces échelles sont en relation entre elles, la seule question intéressante, c'est de dire, moi, je suis à quel niveau? C'est-à-dire comprendre à quel niveau d'un grand théâtre je me trouve, savoir qu'est-ce qu'on attend de moi, comment les autres peuvent appuyer sur moi, et comment je... C'est ça qu'il faut comprendre. Comprendre ne veut pas dire que je dois l'intégrer, tous les matins. C'est pas ça qu'il s'agit. J'ai entendu hier beaucoup sur la question adaptation, atténuation, etc. Alors, c'est des mots très techniques, c'est des mots finalement très savants. Et si je m'en sais quelque chose, c'est à quel point ces notions sont... Alors je vais faire un deuxième parallèle qui me sert à bien expliquer de quoi il s'agit. Ce qu'on appelle réchauffement climatique, c'est l'équivalent, pour un corps humain, c'est l'équivalent d'une fièvre. Donc un individu a une fièvre. Une fièvre n'est pas en soi une maladie. Simplement l'indication qu'il y a probablement une infection, une anomalie, etc. Donc une fièvre, c'est l'indicateur que vous êtes probablement en situation de mauvaise santé à un moment donné. Et donc c'est pas la fièvre qu'on va chercher à guérir, c'est trouver la cause, de la soigner avant qu'elle n'atteigne par exemple des organes vitaux ou que ceci. Voilà de quoi il s'agit. Donc la Terre, on le sait maintenant, c'est une vérité, la Terre, la planète, il y a une fièvre, il y a l'indication qu'elle s'est réchauffée de façon anormale en un siècle. Alors les gens nous disent, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que c'est que 0,8 degrés, vous vous rendez compte? On est en train de discuter de 0,8 degrés en un siècle. Alors, des fois, on me dit, mais comment ça vous inquiète, 0,8 degrés, même pas un degré en un siècle. Alors qu'au cours de la journée, la température varie de 10 degrés. Je crois que les scientifiques ont très mal expliqué. Ils sont de très mauvais communicateurs. En réalité, le 0,8 degré, donc le degré de réchauffement de la planète, était quelque chose qui aurait dû se produire en plusieurs milliers d'années. C'est-à-dire qu'il est normal que la planète change ses conditions moyennes de température. Mais ça se fait à des échelles de plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers. C'est la rapidité, ça a été brusque, et c'est ce qui a attiré l'attention depuis les années 70 de la communauté scientifique, de l'OMM en particulier, l'Organisation Météorologique Mondiale, qui a dit qu'il y a peut-être un problème. Et en analysant cette question, au départ par quelques dizaines de climatologues, aujourd'hui par des milliers de scientifiques, la seule cause probante, c'était qu'il y avait une activité humaine qui avait touché un des modules du fonctionnement qui était la chimie de l'atmosphère. Et qui avait atteint, si vous voulez, l'être humain a atteint l'échelle des facteurs astronomiques. Alors il faut peut-être s'en réjouir, c'est-à-dire que l'être humain a une puissance maintenant considérable. Attention, ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait volontairement, il faut aussi l'admettre. Il faut l'admettre, c'est-à-dire que le développement industriel qui s'est fait, il ne faut pas penser, et c'est d'ailleurs l'une des questions que les Occidentaux en ce moment sont en train de dire. Ils disent, les générations passées qui ont développé le charbon et l'industrie et la mécanique, etc., ne l'ont pas fait en sachant qu'il y aurait un problème climatique dans les années 80. Bien sûr qu'il y a responsabilité historique, mais il n'y avait pas connaissance scientifique à l'époque. Et aujourd'hui, pour des questions d'éthique, aujourd'hui, nous savons. Nous, c'est-à-dire tout le monde. Donc, la Terre, moi, le réchauffement de la Terre ne m'intéresse pas. Je vous le dis, en tant que tel, le réchauffement ne veut rien dire, si vous voulez. Ce n'est qu'une indication scientifique qui ne peut être comprise que par des scientifiques. Ça veut dire que c'est le climat d'une planète, c'est comme si on voyait la planète de l'extérieur. On l'analyse et on dit, qu'est-ce qui a changé dans cette planète? Eh bien, un de ses modules a changé, c'est sa composition chimique qui s'est alourdie de façon anormale par des substances qui imprègnent cette atmosphère, on les appelle gaz à effet de serre, ou ce que vous voulez, qui font qu'aujourd'hui,
Ce n'est pas le réchauffement qui doit qu'on doit intégrer comme notion. C'est le dérèglement climatique. Le fait que il y a une accumulation, le fait qu'il y ait, a changé la façon de circuler de l'atmosphère. C'est-à-dire qu'il va pleuvoir là où il ne pleuvait pas, il va ne pas pleuvoir là où il pleuvait. Voilà ce qui va changer. Et ça veut dire que ça nous place devant un monde inconnu. Tout ce que nous savions du fonctionnement du climat méditerranéen, du climat, nous, maintenant ça s'est remis en cause. Donc nous sommes devant une incertitude majeure. Nous ne savons plus comment le climat va s'exprimer à l'échelle régionale que nous connaissions. Voilà où est le problème. Donc le réchauffement climatique, laissons-le pour les 10 centres de modélisation du monde qui sont en train d'essayer de voir comment cette température globale, qui n'est qu'une notion virtuelle, ça ne veut rien dire. On ne vit pas une température moyenne de toute la Terre, on vit des températures chez nous, ou des pluies chez nous, etc. Donc ça, première notion, c'est le dérèglement climatique que ça apporte. Et là, tout le monde est face à une inconnue, hein, c'est-à-dire la science mondiale. Deuxième élément, et je souhaite rectifier cette gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre d'Alger n'ont aucun impact sur le climat d'Alger. Ce n'est pas une notion directe. Il ne faut pas penser que ce qui sort de chez moi en gaz à effet de serre aurait un impact chez moi en termes de climat. Absolument pas. C'est que les gaz à effet de serre n'ont d'intérêt que lorsqu'ils sont rentrés dans un bilan d'énergie mondiale. Comme l'a dit Sigmoré, d'ailleurs il y a un contentieux, c'est-à-dire qu'il y a un passif qui est accumulé depuis. On ne sait même pas d'où il vient. On ne peut pas retracer les gaz à effet de serre géographiquement. On ne sait pas le faire, on ne peut pas le faire. Donc nos gaz à effet de serre n'ont aucune influence sur notre climat. Par contre, l'accumulation des gaz à effet de serre de la planète a modifié le climat de la planète. Et une partie du climat de cette planète, c'est celui que nous vivons, nous, chez nous, et celui-là, c'est déréglé. Donc ça, c'est une notion qu'il faut garder en tête. Réduire les gaz à effet de serre d'Alger n'aurait aucun effet sur le climat d'Alger. Ne confondez pas avec la pollution d'une usine qui aurait un effet sur la santé de la ville. Ça, c'est des problèmes de pollution directe. Ça n'a rien à voir. Donc cette obsession de dire qu'il faut que je réduise mes gaz à effet de serre pour conserver mon climat n'a aucun sens. Alors, cette question d'atténuation, d'où elle vient? Eh bien, de quelque chose de relativement simple. Il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, qu'est-ce qu'on a demandé aux scientifiques? Parce qu'il ne faut pas aussi... J'ai entendu hier, oui, les scientifiques, peut-être qu'ils ont été malhonnêtes et tout. Non, remettons chaque chose à leur place. Les scientifiques ne sont pas des politiques. Qu'est-ce qu'on a demandé aux scientifiques il y a une vingtaine d'années? On leur a demandé de prouver qu'il y avait une réalité du changement climatique. Ils l'ont fait. On ne leur a pas demandé qui est responsable. Ce n'est pas leur rôle de juger. Les scientifiques n'ont aucune légitimité pour le faire. On leur a dit, est-ce qu'il y a un problème? Ils ont répondu oui. Ils ont mis 20 ans. Hein. Il a fallu le quatrième rapport du GIEC, c'est-à-dire 20 ans de travail, pour dire que c'est le seul domaine scientifique du monde où on a une synthèse mondiale. Aucun domaine scientifique dans le monde, on a comme ça, comme un décision, 29 000 références documentées. Aucune. Donc on leur a dit, est-ce qu'il y a un changement climatique? Ils ont dit oui. Puis ensuite on leur a dit, d'après vous, quelle est la cause? Ils ont dit à 99%, il y a toujours, c'est l'accumulation de gaz d'origine humaine, c'est produit par l'activité humaine. On leur a dit, qu'est-ce qu'il faudrait pour réparer? Ils ont répondu, un, on ne peut pas réparer, au sens réparer le climat, si je m'en dis, je peux vous dire, si on prend un modèle climatique, une représentation du climat, si on arrête l'économie mondiale, on l'arrête, c'est qu'on s'arrête d'utiliser tout à l'échelle du monde, c'est qu'on arrête l'émission du monde. On va vivre le dérèglement climatique pendant à peu près un siècle. La machine est lancée. C'est une deuxième réalité, c'est Karl l'a rappelé hier.
3, on leur a dit comment faire en sorte de stabiliser, c'est-à-dire d'éviter l'emballement, qui serait synonyme peut-être d'extinction d'espèces. Ils ont dit, ben écoutez, d'après nos calculs, ça reste des calculs, si on ne réduit pas d'environ 50% l'émission par rapport à une année de référence d'ici les années, mettons, 2050, si on ne on se place pas sur une espèce de palier, alors on aura des problèmes. Pourquoi ils ont dit ça, techniquement? C'est pour dire simplement, il faut donner le temps aux éléments qui absorbent le carbone de le faire, parce que il y a des choses qui absorbent le carbone, l'océan et la végétation, mais cela n'a aucune raison d'absorber 2 fois ou 3 fois plus vite. C'est des éléments vivants, mes amis biologistes le comprennent bien. Lorsqu'ils ont dit qu'il fallait réduire d'environ 50% les gaz à effet de serre, ils n'ont pas dit qui doit les réduire. De nouveau, je dis, les scientifiques n'ont jamais dit, le GIEC n'a jamais dit, il faut que les États-Unis... Ils ne l'ont pas dit, ils ont dit, il faut que cette planète, vue comme ça de l'extérieur, il faut arriver à limiter de temps sa production de gaz à effet de serre. Maintenant, comment répartir cet effort? Comment? Ça, c'est l'affaire des décideurs. Le GIEC a remis un rapport aux Nations Unies, à une conférence des parties. Alors là, on rentre dans un autre jeu. Donc, oublions maintenant cette question. Le changement climatique, moi, ne m'intéresse que parce qu'il a déréglé le climat et que le climat chez moi, en Algérie, à Oran, à Alger, à Annaba, est en train d'être modifié. Mais je mets ça de côté, je n'y pense même plus. Les pays, ben c'est normal. Les pays, ensuite, ont un traité entre eux, ils ont un accord. Et à partir du moment où il y a un accord, ça veut dire que ça devient des problèmes d'intérêt des pays. Et dans cette affaire-là, il y a une posture, quasiment de tous les pays, qu'on appelle la posture de passager clandestin. C'est-à-dire, je ne veux pas être le premier à faire l'effort. Pourquoi vous voulez que je sacrifie mon pays, ma société, etc. C'est un réflexe naturel de l'être humain. Face à un danger, je veux dire, il n'y a pas... On attend qu'il y en ait un qui aille d'abord régler le problème. C'est connu, ça. Les anthropologues appellent ça aussi la théorie des loups. Quand il y a une meute de loups et qu'il y a un danger, il y a un ours là, et ils se regardent entre eux, et puis il y en a un qui va décider d'aller. Et lorsque celui-là a décidé d'aller, il devient le chef de la meute. C'est des réflexes naturels. Les pays ne vont pas se faire harakiri. C'était prévisible. On savait bien qu'aucun pays n'allait dire « Moi, je vais sauver la... » Mais jamais la vie. Donc on est rentré dans des mécanismes depuis 20 ans d'une négociation qui est tellement compliquée quand on la lit de l'intérieur que franchement, ça n'intéresse pas le citoyen, pas le citoyen simplement algérien, mais le citoyen du monde. Kyoto, première phase, deuxième phase, etc. Ça, c'est des mécanismes. Tout s'est mélangé. La politique et les alliances et l'argent, etc. On est parti de molécules, d'un problème de molécules de gaz, on est arrivé à des problèmes de dollars. Voilà. Alors, cette répartition d'efforts, maintenant pour être clair, des problèmes. L'atténuation n'a d'intérêt que si elle se fait à une échelle globale. C'est que les scientifiques qui mesurent ça, par leur station, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, ils disent, nous, d'année en année, on mesure le bilan mondial des gaz à effet de serre. Et on essaie de voir comment il se réduit de 1 ou 2%, ou au contraire, comment il augmente. Mais ça n'a de valeur qu'à l'échelle d'un bilan global. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a demandé à tous les pays, la première chose qu'on leur a demandé, c'était de faire leur inventaire de gaz à effet de serre. Pour essayer d'avoir une espèce de comptabilité assez précise. Il ne sert à rien qu'un pays réduise ses gaz à effet de serre. Si vous comprenez, il ne sert à rien qu'un seul pays réduise. Il n'y aura d'effet significatif sur le climat que si vraiment il y a une réduction, par exemple, de 30, 40 ou 50% à l'échelle d'un bilan du monde. Donc cette question, ne m'intéresse pas directement. Et faisons un petit compte, mais vraiment arithmétique. La moitié de la production mondiale de gaz à effet de serre se partage entre les États-Unis et la Chine. Maintenant, oui, je parle d'aujourd'hui.
le monde, c'est les États-Unis plus la Chine, c'est une guerre de géants. Ils ont 50% à eux. Ça veut dire que si eux deux acceptaient de commencer à faire tout seuls, les deux, des réductions, ça commençait effectivement à avoir un effet sur le climat du monde. L'Afrique, toute l'Afrique, est aux environs de 5%. Ça veut dire que même si on demandait à l'Afrique d'arrêter de respirer aujourd'hui, je viens de rentrer d'une mission d'Afrique de l'Ouest, j'ai visité 10 pays, je suis en train de voir les niveaux de... Ils en sont très conscients, croyez-moi, hein, les pays d'Afrique. Si on, on demandait à l'Afrique aujourd'hui d'arrêter de vivre et de se développer, ça ferait, pour le bilan mondial, une réduction de 5%. Ça n'aurait pratiquement aucun effet. C'est l'équivalent du protocole de Kyoto qui est tellement contesté. Donc on ne va quand même pas attendre de l'Afrique qu'elle fasse... Alors, c'est même, je dis 5% en nombre de grandeur. On ne va quand même pas attendre de l'Afrique qu'elle réduise quoi que ce soit. L'Algérie, c'est du 0,1%. Même si l'Algérie arrêtait tout son développement, elle n'aurait aucun effet sur le bilan global du carbone. Personne ne serait là pour nous remercier. Donc l'atténuation, franchement, je suis tenté de dire, pour l'instant, oublions-la. Laissons ça aux négociateurs, faisons confiance à la raison des grands pays, laissons faire les grands blocs, l'Europe, la Chine, l'Inde, les États-Unis, parce qu'à eux, c'est 80%. Donc, oublions ça. Le monde n'attend pas de nous, d'ailleurs, qu'on fasse quoi que ce soit dans ce domaine-là. Pour une question simplement d'arithmétique. Donc ça, c'est l'atténuation. Mais un deuxième problème existe. Et curieusement, il a été oublié des négociations pendant à peu près une quinzaine d'années. Oublié des négociations. C'était quoi? C'était l'adaptation. Les impacts. Et pourquoi? Mais parce que l'adaptation, il n'y a pas de méthode universelle. Il n'y a pas de besoin mondial. C'est un problème qui se passe chez vous. Personne ne viendra s'adapter à votre place, ni vous aider, ni quoi que ce soit. Autant pour l'atténuation, ça n'a d'intérêt que si tout le monde fait ou ne fait pas. Autant pour l'adaptation, chacun, nous sommes dans une véritable loi de la jungle. Ce qui est un peu normal. Comme on voulait que les gens... Pourquoi? Parce que l'adaptation, c'est tellement local que d'autres paramètres, si Kamel l'a bien rappelé, d'autres paramètres viennent se mélanger. Votre développement, votre niveau d'acceptation des risques, ces choses-là diffèrent, les perceptions diffèrent d'un pays à l'autre, etc. Donc, l'adaptation, ça se mélange intimement, et là nous sommes concernés, ça se mélange intimement à des questions vraiment de développement. Et donc, de deux choses. Où on l'a compris? Et alors faisons les choses de façon consentante et intelligente et engagée, etc. Adaptons-nous parce que je suis tenté de dire, imaginez qu'il n'y ait pas de changement climatique d'origine humaine. Et si le changement climatique avait été quelque chose de tout à fait naturel, ben, on serait en train de tenter de s'adapter sans même qu'il y ait de négociations internationales sur quoi que ce soit. C'est ce que m'a dit une fois un pêcheur qui représentait une communauté de pêcheurs à Oran, qui j'essayais d'expliquer le changement climatique, peut-être la Méditerranée va se... Avec un examen des mots simples pour qu'un pêcheur comprenne. Il m'a dit, qu'il n'y ait pas de changement climatique. Moi, je suis en train de voir que la saison de pêche est en train de changer, que le poisson que je pêchais là, je ne peux plus le pêcher. Explique-moi ça. C'est-à-dire que les gens qui subissent un impact n'ont pas besoin de comprendre d'où est venu les 6 gaz à effet de serre et tout. Je suis d'accord que ce plan scientifique, mais je n'ai pas... J'ai compris ça, ça y est, je n'ai pas l'intégré directement. Donc, atténuation, franchement, pour l'instant, mettons ça de côté. Parce que d'abord, ça ne correspond même pas aux agendas, je veux dire, ni des décideurs, ni des élus, ni rien. Eux, ils travaillent sur 4-5 ans. L'État a une projection sur 10-20 ans. Les questions d'atténuation, c'est la fin du siècle. Franchement, qui peut scénariser la fin du siècle? Donc la question existe, elle est posée. Elle est posée pour la science mondiale, elle est posée pour les négociateurs mondiaux. Mais ça y est, ça s'arrête là. Je veux dire,
le lien avec le global s'arrête là. Donc on passe à une autre échelle. Alors il y a l'échelle nationale. Elle est importante. À partir du moment où il y a un pays, il a des frontières, il a besoin de développement, il a des amis et des ennemis, il a des ressources, il a tout ça. Je pense avoir un peu compris ce que signifient les enjeux pour l'Algérie. C'est tout. Mais c'est les enjeux nationaux. Et là aussi, je sais à quel niveau ça se décide, etc. Ça y est, j'ai compris. C'est pas suffisant. Que signifient alors les enjeux locaux? Alors là, j'aimerais quand même faire une petite référence à la ville. Curieusement, et c'est pour ça qu'hier, j'étais un peu inquiet à un moment donné de l'orientation de l'atelier. Je voyais atelier, plan climat nationaux, très bien, grande ville, quatre grandes villes, et où il a été tel, mais j'ai pas entendu les politiques de la ville dans cette affaire-là. La ville. Quatre grandes villes d'Algérie sont censées être là. Mais c'est quoi la politique de la ville? Alors, il y a quelque chose d'intéressant qu'il faut garder en tête. La moitié de l'humanité vit dans des villes. Et les villes, dans une trentaine d'années, les trois quarts de l'humanité sont dans des villes. Ce sont les villes qui sont d'abord les principales responsables du problème et les principales victimes. Les grandes politiques se font dans les villes. C'est les villes qui concentrent le maximum de pouvoir. Elles ont des universités, elles ont des acteurs de développement qui sont là, etc. Le développement d'un pays se fait très souvent. D'abord, il est conduit dans une ville et ça sert d'influence, sa zone industrielle, etc. C'est les villes. Et je pense que nos amis qui font le schéma national d'aménagement territoire et le schéma régional l'ont bien compris. Donc, j'intègre les enjeux nationaux, mais je dis oui, mais à l'échelle d'une ville. Un citoyen, j'espère bien compris quand je vais dire ça, un citoyen vit plus une ville qu'un pays. Je veux dire par là. Le citoyen, dans sa vie de tous les jours, il se lève le matin, il va au travail, il va à l'école, on a ses enfants, etc. Son espace, son horizon, il est plus dans la ville et l'espace où il est. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne se sent pas appartenir à un pays, c'est pas du tout ça. Il a plus une notion, même visuelle, de la ville où il vit. Et c'est une manière de dire qu'il peut être très sensible aux décisions prises par les élus de sa ville, peut-être plus que par les décisions prises parfois par des ministères, qui sont vécues des fois. Si le moyen a fait un petit avertissement à la fin, je crois qu'il est tout à fait pertinent. Citoyen peut-être est plus sensible à des choses auxquelles il a participé à l'échelle de sa ville, avec ses élus, etc., bien ou mal, qu'à une décision sous forme d'une instruction ferme venant de façon impersonnelle, etc., venant d'un ministère, qui est vécu des fois comme une injonction. Donc la ville, élément essentiel, si on veut vraiment intégrer cette notion.